Evgeny Bobrychev, Antonio Cairoli. Le dernier tour dans cette deuxième course catégorie MX1 en Allemagne. Le pilote KTM qui nous a habitués à des fins de manche tonitruantes, à des fins de manche impressionnantes. Va-t-il être en mesure d'aller chercher la première place s'il s'impose, Cairoli? Il gagne le Grand Prix également. Et si c'est Bobrychev, c'est lui qui gagne le Grand Prix. C'est une victoire de Grand Prix qui est en jeu. Bobrychev, Cairoli, Cairoli, Bobrychev. Attention, l'intérieur, il essaie de changer de ligne, Cairoli. Il s'est montré, il a montré sa roue. Maintenant, il faut qu'il se rapproche, puisque là, il n'est pas en mesure de porter une attaque, Antonio Cairoli. Ça va être très, très dur. Attention. Et Bobrychev qui est bien passé. Il ferme les portes, il reste à l'intérieur. Cairoli qui n'est toujours pas en mesure de porter ses attaques. Il accélère, il est à fond pourtant, Cairoli. Ah, c'est dur. C'est très, très dur maintenant. Et Bobrychev qui fait un excellent travail. C'est beau. C'est beau ce qu'il fait, le Russe. Evgeny Bobrychev, peut-être Cairoli dans les derniers virages. Les chances se réduisent pour Cairoli d'aller chercher une victoire de Grand Prix. Evgeny Bobrychev, Cairoli qui regarde loin devant, peut-être l'intérieur ici. Regardez, il aime cette trajectoire, Cairoli, mais là, ça ne sera pas dans ce tour-ci. Il est beaucoup trop loin. Attention, petites erreurs d'Evgeny Bobrychev. Et Cairoli qui est dans sa roue maintenant. Evgeny Bobrychev, Antonio Cairoli pour la victoire de Grand Prix. Cairoli qui est là, la trajectoire extérieure là-bas. Les panneauteurs, on arrive, il reste deux virages maintenant. Antonio Cairoli à l'intérieur. Et ce n'est pas fini ici, ça y est, c'est fait. Evgeny Bobrychev qui a bloqué Cairoli. Et dans son dernier virage, il va aller chercher cette victoire. Evgeny Bobrychev qui signe le premier doublé de sa carrière ici en Allemagne. Grand, grand bravo. La victoire du Grand Prix d'Allemagne pour Evgeny Bobrychev.